un gros tas de cellules. Ou pas. Pour cela, elle va subir une métamorphose, moment où la chenille digère ses propres tissus. Donc pour devenir un papillon, une chenille se liquéfie. C'est la chenille qui redémarre. Quand une guêpe parasitaire du genre Copidosoma pond un œuf dans une chenille, cet œuf se développe de manière chaotique. L'anarchie règne et donne un amas de cellules appelées morulas qui se fractionnent en proliférant. Identique ? Regarde de mon côté. Près de 25% des clones forment des larves de soldats, une véritable caste vouée à la protection de leurs sœurs contre des intrus. Si une autre guêpe venait à pondre, ses larves passeraient un sale quart d'heure. Mais lorsque l'ordre s'établit, le chaos rôde. Reste à savoir qui aura le dernier